L'eau du robinet, j'en bois tous les jours et je suis à peu près sûr que vous aussi. Mais récemment, je me suis posé une question simple. Est-ce que cette eau est vraiment aussi propre que ce qu'on imagine? Non, parce que chez nous, on sert au robinet sans trop réfléchir. Ça paraît simple. On ouvre, on remplit et on boit. Facile. Sauf qu'avant que l'eau arrive dans notre verre, il y a eu pas mal d'étapes de traitement. D'ailleurs, très récemment, on scrute particulièrement les micropolluants, comme certains PFAS. Mais si vous savez, ces substances per- et polyfluoroalkylées, ces fameux polluants particulièrement résistants, mais alors, faut-il s'en inquiéter? Et surtout, est-ce qu'on peut limiter leur présence? Et comment? On va voir ça tout de suite. Les PFAS, ça fait plus de 50 ans qu'on les utilise dans des emballages alimentaires résistants aux graisses, comme imperméabilisant dans certains textiles ou même dans des lentilles de contact. Mais ces molécules, elles se dégradent très difficilement et sont maintenant durablement présentes dans l'environnement, les sols, l'air et peuvent se retrouver dans l'eau potable. Sauf qu'aujourd'hui, grâce au progrès de la science, on connaît mieux les risques liés à certains de ces PFAS. Et revenir en arrière, c'est pas possible, alors il faut s'adapter et il existe des solutions pour détecter et traiter certains d'entre eux. Heureusement, l'eau du robinet, c'est l'aliment le plus contrôlé en France. Donc dès 2023, Veolia a lancé une campagne de détection à l'échelle nationale. Résultat, 99% des analyses sont conformes. Alors, est-ce que ça veut dire que ces PFAS ne sont pas présents dans l'eau? Pas vraiment. Ça veut plutôt dire qu'on sait détecter ces 20 PFAS, les mesurer et surtout qu'on peut mettre en place des solutions pour les traiter quand c'est nécessaire. Et justement, c'est pour ça que je me trouve ici à Corba où Veolia déploie des technologies pour agir directement sur le terrain. Bon, j'avoue que moi, je suis pas spécialisé là-dedans. Donc je vais plutôt aller demander à Dominique Darmon de s'expliquer comment ça fonctionne. Lui, c'est un expert en eau potable, donc il saura nous dire. Bonjour Dominique. Bonjour Jérémy. Enchanté. Alors Dominique, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle technologie vous utilisez dans ces unités pour traiter les PFAS et comment elles fonctionnent? Alors, cette unité de production d'eau potable, c'est un filtre qui contient du charbon actif, donc c'est une unité de filtration de 50 mètres cubes. L'eau à filtrer qui contient les PFAS arrive ici et l'eau va percoler dans le filtre et va sortir ici en sortie pour aller vers le château d'eau pour alimenter les abonnés. Je vais vous expliquer à l'intérieur comment c'est fait. Attention, l'eau brute va monter et va alimenter ce grand filtre qui contient 13 mètres cubes de charbon. L'eau va percoler dans ce filtre, donc elle va passer du haut vers le bas. Les PFAS qui sont contenus dans l'eau vont être absorbés et piégés dans le charbon actif. Merci beaucoup. Merci, au revoir Jérémy. Merci, au revoir. Et je vous avoue que perso, ça me rassure de voir qu'il y a des solutions comme ça qui existent. Bon, visiblement, il n'y a pas de formule magique. Mais oui, on peut surveiller, détecter et traiter ces 20 PFAS actuellement réglementés s'ils sont présents dans l'eau. Évidemment, la meilleure solution serait de les réduire à la source dès maintenant en limitant leur utilisation. Mais ça va demander du temps et nécessiter la mobilisation de tous les acteurs. Alors en attendant, c'est primordial d'avoir des solutions comme celles que je viens de vous présenter pour continuer d'avoir une eau saine qui sort de nos robinets. Allez, à bientôt sur Verso.